Tout le monde, aujourd'hui je vais une action pour Diamond Spark. Alors c'est leur début, je les connaissais pas avant il y a une semaine je pense. J'étais sur YouTube et je me suis dit, et j'ai une recommandation d'un clip, pas de, mais de quelqu'un que j'avais pas vu, et je me suis dit tiens, je vais regarder des nouveaux groupes que je connais pas, des trucs comme ça, sans réaction. J'ai en retard plein de choses et ça m'a suggéré que des groupes, soit qui n'avaient pas débuté, soit qui n'étaient pas connus, soit qui n'avaient pas beaucoup de vues, donc j'ai regardé plein de trucs. Et je suis tombée sur Diamond Burn Up. Comment j'étais choquée, je suis même un peu dégoûtée de ne pas avoir fait de réaction, parce que déjà le style, ça fait longtemps que j'ai pas vu un style comme ça dans la K-pop. Et j'ai beaucoup aimé la chanson. Et donc du coup je me suis dit tiens, et j'ai vu qu'ils allaient sortir, qu'ils les avaient pas encore débutés officiellement, et donc apparemment là c'est leur début officiel. Donc je connais pas trop les membres, j'ai juste regardé leur âge à peu près, je crois qu'ils sont nés entre 2003 et 2008, c'est des bébés. Mais du coup ouais, comme j'avais bien aimé, je me suis dit allez, let's go. Je les ai découverts par hasard donc... Ouais, par contre la coupe de cheveux de celui qui a les cheveux rouges, le pauvre. Non, c'est trop chou ces cheveux. J'aime bien leur style, hein, de musique. Oh, j'aime bien savoir. C'est beaucoup plus clair que Burn Up. Ouais, ils ont vraiment un style décalé. Oh. Oh. Ok. Ils ont filmé aux États-Unis. Oh! Non, mais lui, ses cheveux! Oh! Ok, boy, c'est le leader, lui, non? Ok! Je sais que lui, c'est le bébé. Ok! Oh, la chorégraphie! Oh, c'est stylé! Et là c'est parti. Ils ont un style un peu R&B. Il est en pyjama. J'aime bien son style à lui. Et lui il est trop chou. Moi j'aime bien la chanson. Ok. Ça reste dans la tête, sinon. Oui. Oh, j'aime trop son pull. J'aime un peu moins cette partie. J'aime trop quand il dit ça. Ok. Me too. Moi j'aime bien. J'aime trop ses cheveux, c'est trop mignon. C'est quoi là? SSQ Entertainment. Ok. Ok, damn. Bah comme quoi, hein, des fois, faut aller se perdre sur YouTube, hein, parce que à l'époque, j'étais au courant de tout. Je connaissais tous les groupes, tout ce qui sortait, même les clips qui avaient pas dû et tout. Mais maintenant, avec l'algorithme et tout, YouTube, c'est trop...
c'est devenu trop une guerre de vues et tout. Donc on voit pas tous les petits groupes et tout. Enfin moi ça me les suggère plus. Et là je suis tombée ouais vraiment par hasard. Je sais même pas c'est quoi le premier clip qu'on m'a suggéré. C'était pas ce groupe-là, c'était un autre. Et je me suis dit tiens, je cliquais tout ce que je connaissais pas. J'en ai regardé plein. C'était des groupes avec même pas 400 000 vues. Hein. Je dis même pas 400 000 vues parce que maintenant, si on dépasse pas les millions, personne n'est au courant, quoi. Et du coup, bah, en regardant, c'est là que je suis tombée sur eux. Et j'ai dit, oh, intéressant. Bah déjà, leur style, ça m'a fait poser, genre en mode, ok, je suis arrêtée comme ça. Et au final, les chansons sont bien. Bah voilà, du coup, dites-moi ce que vous avez pensé de la chanson, du clip, si vous aviez entendu parler d'eux. Et c'est tout. Au revoir!